Je dois vous avouer qu'après 3 jours à Tokyo, j'ai commencé à un peu en avoir marre de la ville. Et je me voyais surtout pas quitter le Japon sans avoir vu la mer. Le Japon, c'est une île, voilà. Et du coup, je m'étais dit qu'il y a forcément un endroit où je peux avoir une très belle plage sans forcément prendre le train et pas trop m'éloigner. Comme je vous l'ai dit, c'est un voyage que j'ai pas tant préparé que ça. Pour preuve, j'avais même pas de carte SIM. J'avais ni internet, ni carte SIM. Et après 3 jours d'entraînement, je m'étais dit que quand même, m'éloigner de Tokyo sans internet et revenir sain et sauf, c'est largement possible. Donc du coup, j'ai pris ma valise avec moi et je suis partie à Kamakura. Kamakura qui est pas très loin de Yokohama. Donc Kamakura, c'est une ville très connue pour ses plages, comme c'est pas très loin de Tokyo, comme c'est pas très loin des grandes villes, mais également pour son tramway qui passe juste devant la mer. Et je vous avoue que j'ai appris tout ça 20 minutes avant de partir. Mais c'est ça que j'aime dans le voyage, c'est la découverte de très belles choses à l'improviste. Donc du coup, je vais vous montrer aujourd'hui ma journée à Kamakura. C'est parti. Quatrième jour à Tokyo, on fait nos valises et on décolle dans le prochain hôtel. Et regardez, là j'ai acheté un porte-vue pour mettre tous les prospectus et les journaux que je trouve. Parce qu'en fait, j'aime trop accrocher en poster. Donc, mon mur, ce soit vraiment un souvenir de toutes mes expériences. Donc, voilà. Ça date, j'ai pas utilisé un porte-vue, je sais pas comment. Je sais même plus comment on fait. Là, regardez la météo d'aujourd'hui. On a un temps incroyable. Donc, franchement, on va en profiter à fond. Là, faut que je prépare ma valise, que je m'en aille et il faut que je me prévoie un petit programme en attendant mon check-in du prochain hôtel qui est à 15h. Faut que je me pose d'abord dans un Starbucks. On sort. Godzilla, en vrai des vrais. Il y avait ce temple juste derrière notre hôtel, je voulais absolument le voir avant de partir. Bon les amis, j'ai pris une décision, c'est qu'aujourd'hui je vais aller à la mer. Du coup j'ai pris des destinations qui étaient accessibles en métro, ça veut dire que je vais en avoir pour moins de 10 euros pour l'aller. Parce que vous-même vous savez comment le train ça coûte cher ici, j'ai pas envie de payer 250 euros l'aller-retour, vous voyez. Et j'ai trouvé des plages incroyables. Là j'ai ma valise avec moi. Je voulais de base la déposer à l'hôtel, mais j'ai peur de perdre du temps. Donc je pense que je vais y aller directement avec. Ça va un peu me déranger, mais on n'a pas le choix. Hein. Des fois, les aléas du voyage, hein, on fait avec, hein, vous voyez. Ou sinon, je suis en train de me dire, je peux peut-être la laisser dans un casier, ma valise. Je vais voir ce qu'on me propose sur la route.
number one will be the 12th. ご利用くださいましてありがとうございます。 À visiter ici, que je pense que je vais d'abord visiter un petit peu la ville et après prendre le tramway qui lui passe devant la mer. Je vais d'abord retirer un peu de cash. J'espère que la machine elle fonctionne pour les cartes étrangères parce que sinon je suis dans le caca. Le caca problème. Ça fonctionne pas. J'aurais dû retirer avant de venir. Qui m'a envoyé? Là, le problème auquel je fais face depuis le début, c'est que la plupart des restaurants, et je parle pas de fast food ou de grandes chaînes, c'est vraiment des restaurants, ils prennent que par cash. Ce qui est problématique quand tu n'as pas tout en cash. Et là c'est l'entrée d'un quartier je pense. C'est super beau. Je suis trop contente de m'être poussée à sortir de Tokyo. Les spécialités au matcha comme d'habitude. Je suis tombée sur une petite boutique Ghibli. Ghibli, Ghibli. Il y a un atelier pour faire ses propres bagues ici. Ça coûte 38 et quelques euros, de ce que j'ai compris. Il y a un Sanrio café. Can I have a brown sugar soy sauce and a sweet sauce? Bon, c'est la première fois que je goûte ça. Il y en a une sucrée et une à la sauce sucrée. Vous voyez la sauce sucrée des sushis un peu? Maintenant, je vais en direction d'un temple. On voit, je pense, d'ici en rouge là-bas. Le nom, il est super long. Je vais pas tenter de le prononcer, sinon je vais le massacrer. C'est magnifique. Alors là, je regrette pas du tout d'être venu aujourd'hui. Personne, j'ai mis ma valise ici. De toute façon, on est au Japon, il n'y a personne qui va m'apprendre, Inch'Allah. Mais là, les amis, je suis choquée de l'endroit dans lequel je suis arrivée. Le temple, il est majestueux.
va aller à la plage parce que la nuit elle tombe très très vite. Bon, de ce que j'ai compris, il y a des Coréennes derrière qui ont parlé, voilà, donc j'ai entendu. Il y a un mariage. Du coup, ils sont en train d'accorder les instruments pour le mariage. J'ai assisté à une cérémonie de mariage traditionnelle. On pouvait pas faire mieux en termes de timing et en termes d'expérience. Ma valise, elle est bien restée. Ni vu ni connu. Hop là. J'ai pris des journaux. Vous voyez là, je suis avec ma grosse valise. J'aurais pu me dire, ah oh, purée, c'est chiant de la trimballer. Laisse tomber, j'attends jusqu'à 15h. Et après, je bougerai autour du quartier de l'hôtel. Ne vous empêchez jamais de faire quelque chose à cause d'un élément perturbateur. Faites-le tout le temps. C'est trop loin, l'International Etienne. Allons-y, 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 allons-y. Que ça marche, je suis là. J'ai retiré 30 000 yens. Ça fait, je pense, 27 euros. Quand je me suis trompée, j'ai retiré 300 euros. Please touch with your ID card to be sure to take the receipt. Thank you for you. C'est bon, j'ai trouvé une box. Je me suis libérée du coup un peu de mon bagage. Ce qui se passe, c'est absolument pas réel. La plage, on dirait pour la plage.
suis bien arrivée dans l'hôtel. Je suis arrivée dans l'hôtel, qui est très très bien. Je vais vous faire un petit montant. Du coup, pour la salle de bain, voilà, on a une petite baignoire avec tous les produits dont on a besoin. Un grand miroir juste ici, les serviettes, tout ça. Un robinet, voilà. Et les toilettes japonaises, bien évidemment, qu'on peut régler juste ici. Pourquoi tu te baisses, ma belle? Ça, c'est bon. Sanitary box. Ah, c'est peut-être bon, ok. Moi, je pense que là, je vais prendre une petite douche. Je vais changer de tenue et je pense que je vais sortir. Du coup, je vous dis à tout à l'heure. De base, je comptais sortir dehors, mais les endroits où je voulais aller, ils étaient fermés. Donc, j'ai pris la sage décision de rester à l'hôtel pour cette nuit pour me reposer. Parce qu'il faut toujours une bonne nuit de sommeil. Sinon, le voyage va être insupportable si je me repose pas. Du coup... J'ai l'impression que j'étais dans un rêve. C'est trop bien. Elle est trop belle la photo. Tu sais, quand je suis arrivée à la plage, j'ai mis quoi? T'as mis je sais pas, je connais.